Nous allons lire le psaume au chapitre 100. Psaume au chapitre 100. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume au chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci pour chaque frère, pour chaque soeur, pour frère, pour Dieu les pères, pour ton sauveur et les endroits pour ce matin. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au bon verre, vous asseoir. C'est comme le conseil de dire, quel bonheur de marcher avec lui. Amen. Il conduira tous nos pas. Et nous le remercions de ce que il nous conduit encore. Jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il est le Dieu de sa parole. Il dit une chose, il tient encore la copie. Nous le remercions ce matin, il est présent au milieu de nous. Au travail de chanter les cantiques, il nous a aussi manifesté aussi sur l'amour. Par sa présence, nous avons été consolés. Nous voulons beaucoup plus de lui, de notre vie, de notre marche.
fur et à mesure que nous avançons, que nous voyons le jour s'approcher, voulons, nous désirons fréquemment qu'il puisse encore se tenir encore davantage et que nous puissions avancer au pas au rythme que nous devons poser pour que nous puissions atteindre l'objectif. Nous le remercions pour son amour et sa bonté et sa grâce. Nous avons la joie aussi d'avoir notre frère Abraham qui est venu dans la semaine et qui devait rentrer, mais qui a eu à pouvoir prolonger aussi pour rentrer le mercredi prochain. Tout à l'heure, je l'inviterai tantôt pour venir saluer et prier aussi après. Nous remercions notre Dieu pour qu'il ne nous a pas laissé seul, qu'il nous a pas la grâce d'avoir des frères et sœurs à différents endroits pour nous trouver dans la marche aussi dans lesquelles nous sommes. Que chacun de vous soit béni ce matin. Pour qu'il y ait de voir de près. Et je crois que nous avons des frères et des sœurs qui sont venus. Je pense que ce frère d'Aouda devait être là ce matin. Il avait dit qu'il serait là ce matin. Il est là. Ah, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Je viens dans notre sœur avec notre sœur Esther. Élie qui est venu aussi avec toute la famille et notre frère Arnaud qui est venu dans mon bureau qui m'a rendu un témoignage très touchant. Et vraiment le Seigneur agit encore aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui et il touche encore le cœur de ses enfants. Je crois que vous aurez l'occasion d'entendre aussi son témoignage. Notre sœur, notre sœur Chiboula qui est rentrée. Ça nous a manqué. On cherchait tout le temps avec les yeux et on n'a pas vu. On voudrait bien voir, on aime bien chanter. On aime bien chanter dans sa langue. Que Dieu soit béni. Nous remercions notre Dieu, tous nos frères et sœurs qui sont avec nous ici aujourd'hui. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, donc je n'ai pas su. Il va pouvoir voir effectivement. Il s'est aimé, si vous êtes là, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. Et nous sommes heureux. Je pense que j'ai eu à pouvoir entendre que la jeune sœur Sarah de la France, je pense. Personnellement, Sarah de la France, mais de la Belgique. Amen. Sarah, la sœur de Zita. Non, l'autre, je ne sais pas. J'ai toujours un peu un problème dans ce domaine-là. Avec le prénom, sentez-vous chez vous et soyez vraiment les bienvenus. Ceux qui sont venus aussi pour la première fois, mais nous avons l'occasion de voir aussi tout à l'heure aussi. Nous remercions Dieu, ce que nous avons beaucoup de frères et de sœurs et qui sont en connexion avec nous. J'ai eu à pouvoir voir en fait une statistique que mon frère ici, Vladimir, m'a donné. Il y a au moins 14 288. Donc chaque fois que vous vous connectez ici, on envoie direct et les gens suivent. Et j'ai ici une statistique, même en Belgique, même au Portugal, que ce soit aux Philippines, effectivement, aux Pays-Bas. Dans la ville des centaines, quand je dis des centaines, c'est des centaines et des milliers, en Belgique, des milliers en France. J'étais étonné de voir que nous sommes suivis autant par beaucoup de gens. Et comme aussi ma sœur, ici, Adorine m'a rendu son témoignage et d'ailleurs un témoignage dans son école. Quelques-uns de son école aussi se connectent aussi pour pouvoir suivre la réunion et d'autres auront l'occasion de pouvoir aussi venir. Voyons que les semaines travaillent. Et là aussi ce matin, j'ai eu aussi un email aussi venant de, ça vient consoler mon frère José et ma soeur Cynthia. C'est leur fille ici, comment elle s'appelle, Naomi, qui il m'écrit, qui me dit vraiment, mais Dieu travaille. Amen. Parce que nous prions pour nos enfants, les Seigneurs entendent. Et il dit que depuis que je me connecte en direct et que j'écoute les prédications, ma foi se donne davantage au Seigneur. Et que ma vie maintenant doit se mettre en ordre. Ce qui n'est pas agréable à Dieu, je veux plaire au Seigneur. Plus j'écoute, plus je désire devenir toujours une fille de Dieu. Amen. Et plus puissant dans mon cœur. C'est une consolation. Amen. Nous remercions notre Dieu pour ce qu'il fait parmi nous. Et si je le dis aussi, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul ici. Amen. Et que vous avez beaucoup de frères, même de nouveaux aussi, qui se connectent dans différents pays. J'ai été touché de voir que même en direct, au Portugal aussi, on nous suit, et que ce soit aussi dans d'autres pays, oui, en Afrique aussi, effectivement, ils sont nombreux. Et des centaines, quand j'ai des centaines, parfois 200, 300 d'autres, à 500, à 600, donc beaucoup de personnes
auquel nous serons parlés. Nous sommes vraiment en connexion et de suivre effectivement aussi la réunion que nous avons ici. Que Dieu bénisse mon frère Vladimir pour le travail, mon frère Emmanuel, mon frère Davida, ici mon frère Michel qui sont donc à la caméra. Avec nous avons un souci ici parce qu'il arrive parfois que dans la semaine, nous avons des frères qui manquent pour pouvoir s'occuper de les caméras. Vous devez savoir que derrière ces caméras que vous avez, il y a beaucoup, des centaines, comme je dis, plus ou moins des milliers, qui sont donc en connexion et qui suivent. Alors je voudrais avoir un frère qui soit là régulier, pour pouvoir aussi filmer là-bas. Je prie pour que Dieu m'accorde la grâce d'avoir le frère qui soit assis. Et quand il a une tâche, il est vraiment attaché à sa tâche. Et qu'il n'y a pas, bon, je ne sais pas venir aujourd'hui, je ne sais pas qui va s'en occuper. Je veux que même si quelqu'un n'est pas là, mais qu'il y ait toujours quelqu'un d'autre. Et puis ça, il va pouvoir le faire. Alors je voudrais bien que mon frère Taché, ou mon frère Emmanuel, et quand mon frère Emmanuel est là aussi, puisse voir à peu près, si je voudrais voir, il y a quand même des frères qui seront derrière la caméra. Je remercie Dieu pour mon frère ici, Vladimir. Que Dieu le bénisse richement. Il a même changé son travail. C'est vrai. Nous avons des témoignages, il a changé son travail pour qu'il puisse être là dans la journée. Enfin, nous prions que Dieu encore la grâce. Il y a encore des jeunes frères qui sont ici déterminés, qui sont à leur poste de travail et qui prennent à cœur effectivement cela aussi. L'année aussi, effectivement, avec le DVD. Donc je remercie aussi Dieu pour ma fille. Je ne sais pas, elle n'est pas ici parce qu'il y a un problème avec les néons. Mais voilà, elle lève la main à la salle, effectivement. Et c'est elle qui travaille sur YouTube aussi pour que les prédications puissent passer effectivement régulièrement aussi. Nous voulons que Dieu nous aide davantage parce que nous comprenons que le temps tire à sa fin et que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir appeler les derniers pour qu'ils puissent entrer et que nous puissions réellement aussi terminer ce que Dieu voulu faire avec nous. C'est pour ça, chaque occasion qui nous est donnée, tant par les moyens de diffusion pour que nous puissions diffuser, faisons-le. Amen. Que la parole soit encore diffusée pour que ceux qui sont au loin puissent entendre et qu'ils reviennent. Nous allons nous lever pour prendre une portion de l'écriture dans le livre de Jean, au chapitre 14. Jean, au chapitre 14. Nous allons parler de ces rangs. Vous connaissez Jean 14, verset 1. Et je crois que nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver ce matin et de louer notre Dieu pour son amour et sa bonté. Nous le prions pour qu'il nous accorde la grâce d'avoir un cœur bien disposé pour entendre sa parole. Nous prions aussi pour que ceux qui sont là pour la première fois, que le Seigneur le bénisse, qu'il le fortifie ici, il y en a quelques-uns qui sont là, qui comprennent aussi combien nous aimons louer le Seigneur. Nous aimons donner du temps à notre Dieu, de manière à ce qu'il nous accorde la grâce de pouvoir réellement recevoir. Et donc, quand je parle du temps, je parle du temps aussi dans la louange. Dès qu'ils sont venus, on peut louer Dieu pendant des heures. C'est important pour nous de donner du temps à l'adoration aussi, notre Dieu, si du temps, surtout pour la parole de Dieu. Jean, au chapitre 14. À partir du verset 1, nous disons que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen. Notre Père, le précieux Sauveur, ce matin encore, je voudrais te dire vraiment merci de mon cœur parce que pour ta fidélité, ton amour et ta grâce pour encore cette connexion pour toi. Là, merci de nous avoir encore éclairé, merci d'avoir entendu les débats dans cette journée aussi, mon béni, que dispose encore nos cœurs alors que nous voulons entendre ta parole encore pour ce soir. Merci pour la grande bénédiction au travers des chants électroniques pour moi. Merci vraiment d'avoir moi, d'avoir réjoui encore par ta présence. Dispose maintenant nos cœurs parce que nous voulons t'entendre. Merci. Aide-nous, bénis-nous, Père, et soutiens-nous. Car je t'ai prié du Père, au nom du Seigneur et sur la vie de Christ. Amen. Donc, pouvez nous asseoir. Seigneur, nous
cette parole que nous venons de pouvoir lire est une parole familière pour nous. Combien nous sommes toujours très heureux lorsque nous réalisons que c'est le Seigneur lui-même qui nous dit les choses telles que nous venons de pouvoir les entendre. Je pense que quand on voit comment les choses se sont passées avec le Seigneur au baptême de Jean, lorsqu'il est venu dans les eaux pour être baptisé alors que Jean le Baptiste baptisait là-bas, parce qu'il y avait bien un appel pour lequel le Seigneur lui avait adressé, et c'était que lorsque Zacharie, son père, était en train de pouvoir prier, donc là, et puis là, l'ange Gabriel est arrivé et lui a parlé, effectivement, en lui disant qu'il allait avoir un fils, évidemment, et que Élisabeth, sa femme, allait donc enfanter. Mais c'était quelque chose de très difficile pour lui de pouvoir arriver à pouvoir admettre, parce que Élisabeth, son épouse, était très âgée, et en plus de cela, elle était vraiment stérile. C'est souvent ça le problème que nous avons, en fait. Nous lisons les Saintes Écritures et nous donnons l'impression vraiment de ce que nous croyons ces choses, mais au moment où la réalité de la chose va se manifester, on devient un peu dubitatif, ça devient quelque chose de problématique. Parce que cet homme ici, Zacharie, était vraiment un homme qui aimait Dieu, vraiment, qui servait Dieu comme les Saintes Écritures rendent témoignage d'une manière extraordinaire de lui. Parce que, regardez bien, je pense que c'est dans Luc, au chapitre 2, je pense que c'est cela, nous trouvons ensemble avec vous, Luc. Luc chapitre 1, disons, à partir du verset 5, du temps de Rode, roi de Judée, Luc. Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 5. Du temps de Rode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est merveilleux. Et vraiment, voyant comment ils étaient, et en plus de cela, dans l'Ancien Testament, sous la loi, effectivement, et cet homme et cette femme, effectivement, aimaient tellement la parole de Dieu qu'ils s'accrochaient, qu'ils voulaient que les choses soient comme Dieu le voulait, plus comme lui l'était encore, comme lui, sacrificateur. Il arrive et dit, verset 7 dit qu'il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés à l'âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel afin. Et Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant toi. Le Seigneur, il ne boira ni vin, ni cœur vivante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essence de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit, la puissance de l'île pour amener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse du juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée à l'âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc, nous voyons bien que ce n'est pas moi qui dis, mais il y
ange qui s'était là devant un homme qui était vraiment de tout son cœur. Alors qu'il entend maintenant quelque chose qui parle effectivement de la réalité, effectivement, de la chose qui va se passer. En fait, quoi? C'était quoi? Que lui qui était vieux, et Élisabeth, effectivement, sa femme qui était aussi vieille, et de ces deux-là, effectivement, un fils allait donc naître à plus. L'ange Gabriel décrit effectivement pour encore qu'il soit fortifié, montrant effectivement comment sera cet enfant, effectivement. Et malgré cette description, ce que l'ange pouvait dire, effectivement, dans Zacharie, c'était très difficile. Cela n'est pas rentré. Et pourtant, c'était un sacrificateur. Et pourtant, c'est un homme, en plus, là, comme l'Écriture le dit, il était entré effectivement dans les temps pour offrir le parfum, donc, sur l'autel, le parfum, donc, il était dans le service. Et pendant qu'il était dans le service, il était sincère, parce que, voyez-vous, hein, le Seigneur, même l'ange, il dit, mais ta prière a été exaucée, donc il priait avec sincérité. Donc, quand nous prions sincèrement de notre cœur avec foi, Dieu entend nos prières. Amen. Vous devez savoir, frères et sœurs, que quand la Bible dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit, cela est vrai. Amen. Donc, quand toi, tu pries vraiment de tout ton cœur, attends-toi à ce que le Seigneur te donne ce que tu as demandé. Amen. Zacharie, effectivement, il priait Dieu, il servait Dieu. Et Dieu aimait Zacharie avec sa femme parce qu'ils étaient vraiment juste devant Dieu. Maintenant, arrive le moment où Dieu va faire quelque chose d'impossible. C'est à ce moment-là que l'homme devient problématique. Ah oui, parce que c'est facile de pouvoir faire dire, oui, Dieu est grand. En fait, quand on dit Dieu est grand, il faut vraiment croire qu'il est grand. Amen. La répétition de saintes écritures n'est pas bénéfique pour quelqu'un. Mais c'est la foi dans les saintes écritures. Et notre foi dans les saintes écritures n'est pas une foi limitée, mais une foi aussi totale. Donc nous croyons pleinement ce que dit la parole de Dieu. Si on dit qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant, donc je crois qu'il est vraiment le Tout-Puissant et rien ne lui est impossible. Ça veut dire que si je m'approche de ce Dieu, je suis sûr et certain que ce que je veux lui demander, je veux le recevoir. C'est pourquoi il est Tout-Puissant. Zacharie croyait, mais jusqu'à quel niveau? C'est là le problème que nous devons aussi arriver à pouvoir observer, parce que certainement dit, Seigneur, nous te croyons, Seigneur, nous avons cru, Seigneur, mais jusqu'à quelle limite vous croyez effectivement à la parole de Dieu, à ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Et là, ce n'était pas quelqu'un d'autre, effectivement. En plus, c'est l'ange qui se tient là, puisqu'il a vu, il fut donc effrayé. Et puis il entend l'ange qui lui parle, effectivement, disant, mais voilà, tu vas voir, effectivement, d'abord Dieu a fait ta prière, mais je serai comme Corneille, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Alléluia. Alors, il lui parle, et lui dit, mais voilà le problème, parce que, vous savez, frère, quand quelqu'un lit cela, effectivement, il dit, mais non, il parlait, mais en fait, ce que Dieu voit en toi, ce ne sont pas les paroles que tu exprimes seulement, mais ce qu'il y a derrière la parole que tu exprimes, Amen. La pensée que tu as, Amen. L'esprit qui est derrière la parole. Amen. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. Parce qu'avant que la parole que tu exprimes puisse être parole, est d'abord pensée. Donc Dieu voit la pensée qui t'a poussé à pouvoir dire. C'est pour ça qu'il sait voir si tu crois ou tu ne crois pas. Sûr et certain. C'est pour ça qu'on dit, mais ce peuple, il me loue de lèvres. Mais son cœur à lui, est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, c'est une crainte de tradition. Oh, si je ne fais pas ça, je n'irai pas au ciel. Je ne fais pas, je n'irai pas. Mon frère, si tu es comme ça, tu n'iras pas au ciel. C'est vrai que les gens vont te voir comme les pharisiens, les pharisiens. Il y a tellement des gens, juste vraiment des gens, quand on les voyait, mais il n'y avait rien de faute. Les pharisiens, oh là là. En rapport avec les choses, Moïse, non, on le regardait. C'était vraiment pas, il n'y a rien à répondre. Mais quand Dieu les a regardés, il dit, mais c'est plus que blanchi. C'était des tombeaux, donc il n'y avait rien, plein d'ossements de mort.
Mais quand les hommes le regardaient, oh, voici des saints. Donc en fait, Dieu voit plus loin que toi tu vois. Et quand toi tu parles, effectivement, Dieu ne s'occupe pas surtout de tes paroles à toi, mais de la pensée qui est derrière la parole. C'est pour ça, quand il lui a dit, effectivement, mais nous pouvons lire encore dans Luc, hein, il est comment? Il a exprimé les choses ici, là, là, là. Donc, Zacharie va expliquer, enfin, Zacharie. Allez-y, ici, ici, au verset. Après que Zacharie, enfin, non, j'ai dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël, le Seigneur, leur Dieu, ainsi, ainsi. Verset 18, Luc 1, 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Quand toi et moi, nous avons cela, fait, on dit, ah, mais l'homme se pose la question normalement de savoir comment il y a un signe. Vous voyez, voir une bonne disposition. Donc nous, quand nous pouvons entendre cela, on dit, mais oui, certainement c'est. Oh, mais quand le Seigneur a pu entendre cela, il a vu la pensée qui était derrière. Amen. Donc l'homme a douté. L'homme a douté. Et pourtant, c'était un sacrificateur. Et pourtant, il connaissait les écrits. Et pourtant, tu lis les écritures. C'est vrai. Tu connais la parole. C'est vrai. Et là, arrivé au moment où Dieu vient vers la personne pour lui prouver qu'il est le Dieu de l'impossible, ça coince quelque part. Mon frère et ma soeur, tu dis tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Si tu es vraiment un fils de Dieu, si tu es un fils de Dieu, quelle est la chose qui te serait impossible? Amen. Parce que quand on dit fils de Dieu, le problème c'est que on dit fils de Dieu de la bouche, mais on ne l'est pas dans son âme. C'est sur un certain. Il y a une différence entre le fait de dire la chose et le fait de vivre la chose. C'est et d'être dans la chose. C'est sûr. Et là, effectivement, l'ange lui dit, mais parce que tu n'as pas cru. Et pourtant, pour nous, ça paraissait qu'il a cru. Vous voyez, il ne suffit pas seulement de dire, Seigneur, je crois en toi. Mais il suffit. Mais il faut vraiment croire au Seigneur. Parce que nous l'avons entendu, je pense, mais plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Vous entendez cela? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Vous souvenez? Il dit, mais je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je dirais pour moi. Donc, chacun doit arriver à pouvoir réaliser effectivement la manière dont il se tient à la présence de ces dieux et ce que lui, il est réellement au plus profond de lui en rapport avec les choses divines. Alors, voilà tout contre ça. Maintenant, effectivement, qu'il se passe, effectivement, lui, Zacharie, qui était donc sacrificateur, si nous voyons très bien, c'est dans Luc. Donc, nous sommes déjà dans le Nouveau Testament, nous sommes déjà, c'est pas vrai? Amen. Donc, si les sacrificateurs, c'est selon tout ce qu'on a eu à pouvoir voir dans l'Ancien Testament, il y a eu Aaron, ainsi, ainsi, Moïse, donc tout cela, c'est tout ce qui a été enseigné dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez quand même? Amen. Vous vous rappelez? Amen. Alors quand même, c'est par là qu'on a vu, non? Sacrification de Lévite, n'est-ce pas vrai? Amen. Et alors, quand on voit que c'est lui que Dieu a eu à pouvoir utiliser, même pour dresser le temple, effectivement, comment dire, c'était l'homme Moïse, vous savez d'accord? Amen. Alors, pourquoi, effectivement, il parle toujours de Moïse? Parce que le cinq livres de la Genèse, effectivement, la Genèse, effectivement, jusque la raison des cinq livres, effectivement, ont été écrits par Moïse. On les appelle du nom des livres de Moïse. C'est comme cela, Jésus l'appelle le livre de Moïse, le saint livre de Moïse. Parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, évidemment, et qui a eu donc à pouvoir être là, amené par le Seigneur, par cette révélation, entre les choses, effectivement, et qui nous a parlé. La création, Adam, puis Abraham, ainsi de suite, et bon, ainsi de suite. Donc, Zacharie, lui aussi,
devait être au courant d'avoir lu ces choses-là, parce que c'était un Lévite, donc quelqu'un qui apportait aussi la parole au peuple de Dieu. Vous vous souvenez, non? Et Zacharie devait connaître cela, effectivement. Et voilà que dans les Saintes Écritures, il y avait un événement semblable aussi à lui. Amen. Abraham et Sarah. Abraham, c'est vraiment le père de la foi. Amen. Donc Zacharie devait le savoir. Puisqu'il a lu cela. Vous pouvez lire, mon frère, et ne pas avoir foi dans la chose. Amen. Amen. Arrivé au moment où Dieu lui fait comprendre que voilà que tu vas avoir un fils avec Élisabeth aussi. L'homme a eu des difficultés à pouvoir voir cela. Mais pourtant, ce n'était pas la première fois. Dieu l'avait déjà fait dans les Saintes Écritures. Si c'était peut-être la première fois, je dirais qu'on peut comprendre. Mais là, monsieur, madame, c'était écrit dans les Saintes Écritures. Et puis, on a bien compris que Abraham, notre se réfère effectivement, mais c'est la pensée d'Abraham est venue parce que cet homme avait cru à quelque chose qui était impossible. C'est quoi? Dieu lui dit, mais il lui dit, mais je m'en vais sans postérité. Il lui dit, mais lève les yeux vers le ciel. L'homme qui était avec sa femme depuis leur mariage, effectivement, parce que, vous savez, Sarah était la sœur d'Abraham. Vous savez, Sarai, c'est vrai. Vous savez, c'est quand même. Vous avez vu le mariage en couleur. C'est vrai, frère. Si nous rentrons dedans, c'est extraordinaire. C'est merveilleux de voir ces plans glorieux de Dieu. Non, frère. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous retournons vers la voie. Mais c'est vrai, Sarai était sa soeur. Alors, oui, ça, c'est vrai. C'est bon, vous savez, c'est merveilleux. Hein? Oh, on veut fuir, mais quelque chose pour le dire. Je supplie Dieu. Alors il dit, compte les étoiles du ciel. Il regarde les étoiles du ciel. Il a compté, il dit, mais le nombre est tellement si grand. Il se dit, mais quelle sera ta pensée? Et ce qui est extraordinaire avec cet homme ici, sa femme stérile, lui-même aussi âgé aussi, effectivement, il savait bien. Et puis, quand Dieu lui a montré les étoiles, la Bible dit que Abraham, il n'a pas douté. Il a cru réellement de tout son cœur. Il dit, mais puisque tu l'as dit, il dit, mais je le crois. Amen. Donc Dieu qui sonde le rein de les cœurs a vu que cette foi était vraie. Amen. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Et pourtant, ce n'était pas compréhensible humainement. Non. C'est vrai. Toi, monsieur, et toi, c'est comme ta possibilité à toi, donc avoir un grand nombre d'enfants comme ça, c'est pas possible. Mais pour Abraham, c'était possible. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu le lui a dit. Amen. C'est juste. Ah, c'est merveilleux, frère, ça. Extraordinaire. Arriver à pouvoir avoir confiance. C'est ainsi que. Dieu qui avait vu la foi d'Abraham. N'oubliez pas ceci, frère. Sans la foi, il vous sera impossible d'être agréable. C'est vrai. C'est juste. La chose qui doit vous maintenir, qui nous maintient en communion avec Dieu, c'est cette foi que nous avons en lui. Amen. La foi véritable produit l'obéissance. Amen. Donc, je le crois de tout mon cœur ce que tu dis, alors, puisque je le crois, et j'agirai en fonction. Amen. Noé a cru et il a agi en fonction. Donc, quand on croit, alors, l'obéissance aussi suit. Et on marche, effectivement. C'est comme cela qu'Abraham marchant. Et Dieu observait Abraham, effectivement. Et pendant qu'Abraham marchait, vous savez, parfois, vous, en tant que frère, sœur, lorsque vous avez donné votre cœur au Seigneur, quand vous êtes vraiment sincère de l'avoir fait, de l'avoir accepté de tout votre cœur, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et pourquoi? Le baptême est quelque chose de très important pour un véritable croyant. Un fils de Dieu, une
l'Esprit de Dieu qui entend effectivement parler du Seigneur et qui le reçoit et qui entend parler effectivement du baptême, c'est de tout son cœur, tout son âme, qu'il va vouloir le faire parce que c'est quelque chose de très important. C'est parce que la personne meurt totalement pour vivre maintenant avec celui pour qui il a donné sa vie. Donc quand il rentre dans les eaux du baptême, il sait pourquoi il le fait. Amen. Vous vous souvenez encore de l'unique éthiopien? Amen. Cet homme était ici, son char, effectivement, il disait, ben, il n'y avait personne autour de lui. Mais lui, il ne savait pas, mais Dieu le voyait. Dieu voyait les désirs de son cœur et la sincérité de son âme. Amen. C'est pourquoi il a envoyé effectivement Philippe à cet endroit. Amen. Mais Dieu s'occupe de vous, même quand vous ne le pensez même pas. Amen. Vous plairez Dieu, je ne te vois pas, mais il est là. Amen. Il a un caractère merveilleux, notre Amen. Dieu, frère et soeur. Il est fidèle, il a dit, mais je ne vous laisserai point orphelin. Donc sois sûr et certain que c'est Jésus en qui tu as cru. Pas le Jésus des églises, monsieur, mais celui de la Bible. Celui-là, il est fidèle. Amen. Puisque tu l'as accepté, pourquoi tu n'as pas besoin de faire des compromis pour les travaux? Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, on va me licencier. Tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Amen. Parce que lui, il dit, mais ne vous inquiétez de rien. Amen. Il dit, le lendemain, prendra soin de lui-même. Amen. Donc il va certainement prendre soin. Le juste vit toujours par Amen. La foi, monsieur. C'est pas quelqu'un qui aujourd'hui tremble. Je ne sais pas comment ça rendre. Non, le lendemain sont toujours le lendemain assurés. Amen. Parce qu'avec lui, je sais que demain, tout ira bien. Amen. Parce qu'il est avec moi. Amen. Je ne manquerai pas de pain, je ne manquerai pas de logement, il prendra soin de moi. Amen. Aussi longtemps. Amen. Donc, effectivement, nous réalisons que là, il a eu pouvoir observer Abraham. Il a cru et Dieu observait comment Abraham marchait. De quelle manière Abraham et cet homme était obéissant. Jusqu'à ce que un jour il était donc assis là sur le chêne de Mamré. Il disait, bon, je fais mon travail et puis bon, je vais continuer mon chemin, ne sachant pas que Dieu dans les cieux avait vraiment des projets sur lui. Voilà. Amen. Alléluia. Vos frères et ma soeur, vous n'êtes pas comme monsieur tout le monde. Amen. Amen. Pour les autres, Dieu ne s'en soucie pas. Amen. Mais pour toi, il dit, mais les projets que j'ai formés pour toi, Amen. Pour toi, mais ce sont des projets de bonheur, Amen. Et pas de malheur. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, à vous, il vous a été donné, pas à eux, mais à vous, oui. Ça veut dire que Dieu s'occupe de toi. Amen. 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 Dieu s'occupe de toi et il prend vraiment soin de toi. Abraham, pendant qu'il avançait, effectivement, il faut les choses. Je reviendrai vite dans lui. Nous avons eu l'argent rapidement. Et voilà que il était en train d'avancer avec son frère, son neveu, l'autre, par contre, le neveu. Vous vous souvenez? Vous allez dire, chez le nom, bien, très bien. Regardez très bien comment l'attitude de quelqu'un se passe. Les disputes ont commencé. Et puis, il dit, mais pourquoi donc se disputer? Voici donc devant. Moi, je dis rien, mais toi, tu fais ton choix. C'est ça. Tu choisis. Je n'ai pas de problème. Si tu vas à droite, moi, je vais à gauche. Si toi, tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Pourquoi cela? Parce que, en fait, moi, je ne fais pas le choix. Le choix que tu dois faire, c'est Dieu qui doit faire. Amen. Un fils de Dieu, quand Dieu est en lui, il pose des actes parfois qu'on ne comprend pas tellement très bien. Parce qu'il veut dire, mais bon, moi je prends à droite, toi tu vas là-bas. Non, 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 non. Si moi je fais, si je fais le choix. Mais toi, fais ton choix à toi. Moi j'attends que Dieu me montre mon choix. Est-ce que vous comprenez? Évidemment. C'est-à-dire que quand l'autre a fait son choix, Abraham a suivi. Et c'était la voie que le Seigneur avait tracée. Et l'homme a commencé à continuer à pouvoir. Et Dieu, observez,
Et maintenant qu'il était assis là sur le champ de Mamré, il avait parlé avec Dieu il y a un temps de cela, quand il était sorti, vous vous souvenez effectivement. Mais voilà que sur le champ de Mamré, Dieu aime toujours éprouver ses enfants. Parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui es un fils de Dieu, tu dois laisser un livre de souvenirs sur la terre. Amen. Ta vie à toi est un livre qui est en train de t'écrire. Tu es en train d'écrire l'histoire avec ta propre vie. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que vous savez, les jours où on va ouvrir les cinquièmes, vous mettez dedans, on met dans la terre, les gens vont commencer à dire. Oh, je connaissais. Et telle personne, je la connaissais. Voilà comment elle était faite. Donc, tu dois avoir laissé une histoire sur la terre. Amen. Il y a donc un livre que tu écris avec ta vie à toi. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Amen. Pourquoi nous aimons David? Amen. Ben oui. Amen. Pourquoi nous aimons Salomon? Amen. Mais leur vie a été un livre qui a été écrit, monsieur. Amen. Pourquoi nous aimons Abraham? Sa vie a été un livre qui était écrit, monsieur. Pourquoi nous aimons Moïse? Sa vie était un livre, monsieur. Chaque enfant de Dieu. Ouais. Ouais. C'est un témoignage. C'est vrai. Les apôtres ont laissé un témoignage. Amen. Tu dois laisser un témoignage. Ta vie à toi doit écrire un livre. Amen. Mais qu'est-ce que tu écris aujourd'hui? C'est ça. Qu'est-ce que tu écris aujourd'hui comme histoire? Donc là, nous voyons que Abraham, pendant qu'il avançait, il était sorti parce que Dieu lui avait parlé. Et il avançait parce que Dieu lui a dit, va-t'en dans le pays, va-t'en dans ton pays, ta patrie, effectivement, pour que tu ailles aussi dans le pays que moi je te montrerai. N'est-ce pas? C'était Dieu qu'on disait effectivement. Sur le chemin du devoir, il partait. Parce que si ça dépendait que de lui, il allait rester avec sa patrie, effectivement. En fait, là, Dieu lui dit, attends. Et vous savez, à un certain moment dans notre vie, il faudra que l'on fasse notre marche solitaire. Amen. 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 Oui. Amen. Une marche solitaire avec toi et Dieu. Amen. Amen. Oui, à part les papas. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de cousin, Amen. Il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas d'ami, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur, Amen. Tu fais le chemin. Amen. 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 Tu sais, quand tu fais un chemin comme ça avec Dieu, alors tu vas finir par pouvoir un jour apprécier la joie, l'allégresse d'être avec tes frères. Amen. Pourquoi la Bible dit que voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer. Amen. Parce que toi qui as marché avec Dieu, tu es passé par des épreuves, tu as appris à pouvoir compter sur Dieu. Amen. Amen. Tu as appris à pouvoir apprécier la bonté de Dieu à ton endroit. Le secours de Dieu. Parce qu'il dit, mais je suis un secours qui ne manque pas ta détresse. Il dit, invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Donc tu as expérimenté cela dans les hauts et dans le bas, tu montes, tu descends, Dieu est toujours avec toi. Dans les larmes, tu es avec toi. Et dans la joie, tu es avec toi, effectivement. Tu as expérimenté ces Dieu. Et maintenant, tu trouves aussi un frère. Qui lui aussi a été solitaire avec ses dieux. Une sœur aussi qui le sait sur Dieu. Donc vous avez le même sentiment. Quand vous vous retrouvez frère pour louer Dieu, vous savez en qui vous avez cru. Oui, monsieur. Ce n'est pas la foule qui compte, mais c'est toi l'individu que Dieu veut arriver à voir travailler avec cet individu-là, puis entre toi, et vous trois, effectivement, ayant la même expérience, vous chanterez les chants des Sion, vous tremblerez. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous avons besoin de ça. On ne peut pas être comme les plans d'appartement, on doit oser, protéger, toujours. Non, monsieur. Mettez le jardin dehors. Amen. Oui, monsieur, qui pousse sous la pluie. Amen. Allez tempérer, effectivement, on verra si c'est une bonne plante ou pas. Amen. Autrement, il faut l'arracher, monsieur. Amen. Oui, monsieur. Tout
toute plante que mon Père n'a pas plantée Amen. Sera déracinée. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Donc, Dieu observe et voit la marche. Comment, effectivement, Abraham avançait. Est-ce qu'il était conscient réellement de ce qu'il était, de ce qu'il faisait et de où il allait, en fait? Parce que quand Dieu l'a fait sortir, il a dit ce qu'il voulait faire de lui. Il a dit aussi ce qu'il serait. Abraham était vraiment conscient de ce qu'il avait, parce que Dieu avait vu dans son cœur, effectivement, pendant qu'il lui a parlé, parce que nous voyons que quand Dieu lui a donné sa parole, il est sorti, parce que la foi vient de ce bon entendre, parce qu'il entendait la parole de Dieu. Et alors, voilà que pendant qu'il avançait, est arrivé la chaîne de Mamré, il a mis ses tentes, effectivement. Et soudain, il voit seulement trois personnes qui faisaient comme s'ils voulaient passer le jour. C'était là, va devant. Et Dieu aime vraiment éprouver ses propres enfants. Vous savez pourquoi Dieu éprouve les siens? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve et que nous passons par les épreuves? C'est parce que notre vie à nous doit aussi avoir aussi un enseignement pour les autres. Amen. 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 Et que Dieu doit aussi montrer ce que nous sommes. Et par ce par quoi nous passons et notre façon de réagir aussi, même à la barre du jugement. Alléluia. Même à la base du jugement. Parce que nous attendons que les mêmes épreuves que vous passez, vos frères les passent par le monde, n'est-ce pas? Amen. Même à la base du jugement. C'est pour ça qu'on a des hommes comme Jean. Alléluia. Bon, on va dire, Seigneur, c'était tellement au-delà de l'humain, du fondamental, c'est pas possible. C'est pour ça, Seigneur, je ne pourrais pas tenir dans moi. Jean! Quand on va se seulement Job, tu commences à te décourager. On dit. Pourquoi? Parce que Job, il a eu des choses que toi, tu n'avais peut-être pas encore touché à ce point-là. Parce que lui, d'abord, un, il était un homme intègre. Dieu craignant Dieu, se détournant du mal. Donc, tout le monde avait quand même un témoignage. Et voilà qu'il avait foi en son Dieu. Il aimait tant Dieu parce que plus il s'occupait des choses de Dieu, voyait que Dieu s'occupait de ces choses aussi. Et maintenant, c'est Dieu avec qui il n'a même pas eu de conflit. Il n'a même pas abandonné la parole de Dieu. Non. C'est Dieu qui chante, qui danse, qui l'aime tant. Il entend seulement que pour tous ses enfants. J'ai toujours dit ici, hein, quand on perd, nous, on perd une personne. Un cercueil qu'on va déposer. Mais lui qui aimait en Dieu, il s'est mis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 cercueils. Même pour lire avec vous, peut-être bon. Dans Job, chapitre 1. Rapidement. Job, chapitre 1. Et parce que là, nous y arrivons. Job chapitre 1, voilà. Donc, nous sommes, c'est après Esther, vous savez, n'est-ce pas? Si vous voulez dire, si vous êtes un psaume que notre précieux frère a lu, vous reculez des psaumes, vous avez donc Job. Alors, il donne dit. Chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, c'est tombé du mal, n'est-ce pas? Verset 2. Il lui naquit combien? 7 fils. Et combien? 3 fils. 7 fils et 3 fils. Ça fait combien? 10. Et voilà. Donc il s'était né là, comme l'Écriture le fait savoir. Tous ses enfants. C'est ce que nous voyons ici, c'est que la Bible dit aussi, hein, comme c'est cela. Voilà. Verset 13, Job 1, 13 dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient,
du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès des gens d'un messager qui dit, le bœuf labourait et les ânes laissés à côté d'eux, les sabéens se sont jetés dessus, ils sont levés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter le vin. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs qui les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter le vin. Il parlait encore lorsqu'un autre vint dit, les Chaldéens formés en trois parties sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé. Les serviteurs ont fini de l'épée, je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter le vin. Il parlait encore lorsqu'un autre vint dit, tes fils et tes filles, mangez, buvez, et buvez du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vin venu de l'autre côté du désert, qui a frappé contre les quatre coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé, moi seul, pour te raconter. Donc l'homme qui était là, si effectivement, toutes ces nouvelles se sont enchaînées. Donc, à un moment, il a tout perdu. C'est bien, ses enfants, donc tous ses enfants. Donc tout ce qu'il avait, c'est écroulé. Parce que ça t'a dit, mais pour, tu verras, tiens, ça va venir. Donc, Job, à un instant, en une période de temps, une journée prolongée, tout cela, chaque fois, mais ça s'est venu, tout s'est écroulé devant lui. Il y a ses enfants, donc tous les 10, les fils et trois filles, sont tous partis. Et je pense que si cela était arrivé à quelqu'un, d'une certaine manière, non, d'ailleurs, vous pouvez voir l'ampleur de la catastrophe qu'il avait, parce qu'on le connaissait comment. Il était béni avec des chameaux et tout ça, avec tout ce qu'il avait, les enfants aussi joyeux. Et voilà ce qui est la catastrophe a tellement si grande, des grâces aussi grandes, que les nouvelles partent tellement si grandes, que ses amis sont venus. Et quand ils ont vu de leurs propres yeux, la taille de la situation, la taille de l'ennemi, ça c'est quelque chose qui ne veut même pas passer par la pensée. Donc ils sont restés 7 jours muets devant la situation, mais devant Job. 7 jours-là, en train d'observer parce qu'ils ne savaient même pas par où commencer parce que c'était tellement si grand. La douleur parce qu'il a tout perdu, tout. Et maintenant, c'est vrai que les animaux ont fait supporter. Et alors sa propre postérité. Parce que tout le temps, vous dites, mais quand je partirai de la terre, au moins j'ai les enfants qui restent. C'est vrai, non? Mais là, il en avait 10, il n'y avait plus rien. Donc, le nom de Job, tout est parti. Pas de postérité, rien du tout. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que feriez-vous? Déjà qu'il y ait une preuve qui vous arrive. Elle est vraiment petite par rapport à Job. Regardez comment vous les savez. Oh, si vraiment Dieu, vraiment. De quand je ne priais pas, tout allait bien. Tout allait bien parce que tu avais des sardines à la maison. Tout allait bien parce que tu pouvais t'acheter un vélo ou des chambres, des pneus pour la voiture. Carrosserie. Parce que simplement maintenant tu n'as plus la dent pour tirer les pneus. Oh, ça allait bien. Maintenant depuis que j'ai cru, maintenant je ne suis même pas un homme. Alors, on voit le frère qui était bien, qui était toujours là, fort. C'est souvent ça. Quand le frère ou la soeur n'a pas de travail, c'est fidèle à l'assemblée. Il est là en glorifiant Dieu et puis chantant Dieu. Je le vois. Mais compris, Seigneur, donne du travail à moi. Parfois, je pose la question du Seigneur, mon Dieu, mais mon... comprenez-moi parfois. Seigneur, donne du travail à mon frère, donne du travail à mon frère. On donne du travail à mon frère. Ouh. Voilà les explications qui viennent. Frère, tu sais, oh,
Ça fait 5 jours. C'est vrai, frère, il y a eu trop de travail avec le patron, avec chaque fois les chantiers. Et pourtant, celui qui demande le patron, envoie-moi sur notre chantier. Non, mais c'est en train de chanter, moi. C'est lui-même qui demande d'aller sur le chantier. Hein. Le patron répond qu'il dit, non, pas qu'il demande, moi, patron, je suis fort. Et c'est fort. Mais tu sais qu'il a réunion. Hein. Il sait qu'il a réunion. On ne va pas. Quand on a du travail, alors à ce moment-là, on devient là dans la maison du Seigneur. À croire qu'on aime Dieu parce qu'on fait des avantages. Et si c'était le cas de Job, il allait abandonner. Cet homme aurait pu dire, mais c'est pas possible. Je suis resté attaché à Dieu, fidèle à Dieu, et Dieu m'a fait ça. Non, c'est Dieu n'est pas juste. Job a dit, Dieu a donné. Amen. Dieu a repris. Voilà. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Ah, c'est extraordinaire. Hein? C'est vrai, nous le répétons effectivement, mais quand nous passons par les épreuves, c'est ça. Alléluia. Parce que Job n'était pas un arbre, frère. Job était un homme comme toi et moi, avec les chants, avec les sentiments, avec les larmes aussi, avec tout l'amour, les douleurs qu'on peut ressentir, effectivement, il en avait 10 années de journée, tous ses biens sont partis. Il n'a pas abandonné sa foi. Quand vous êtes un enfant de Dieu, s'il vous plaît, votre attention, soyez seulement sûr et certain de ce que vous êtes. Amen. Oh Dieu. Amen. Quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a un programme pour toi. Amen. Tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Amen. Dieu a vraiment un programme pour toi. Amen. C'est pourquoi, frère, ce qui est important, ma soeur, c'est d'être sûr que mon cœur et mon âme est attaché à ces dieux. Amen. Dans le bon comme le mauvais, j'ai trouvé Amen. Un ancre solide et sûr. Amen. Rien ne peut me déraciner qu'il m'aide, qu'il tente, que j'ai, que ce n'est pas mon bonheur et d'avoir reçu ce Jésus. Amen. Quand tu as compris cela, mon frère, ma soeur, tu es différent de tous les points. Oui, monsieur, parce que regardez très bien, Job ne savait pas. Il était sur la terre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé au ciel. Donc c'était un programme que Dieu avait pour lui. Amen. Quand Satan vient t'attaquer toi, quand tu es un fils de Dieu, attaché à la parole de Dieu, tout ce que Satan fait, il n'est pas intelligent. Amen. Or, ton père à toi savait qu'il allait faire ça. Amen. Et il a programmé pour que quand il fera, voilà ce qui va se passer. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand Satan est allé dire, mais écoutez, mais si tu prends ceci, Dieu voulait qu'il le dise. Amen. Oui, monsieur. Parce qu'il fallait que tu saches ce qui était aussi le cœur de Job. Amen. Et non seulement cela, Dieu voulait aussi que Job monte d'échelon. Amen. Oui, monsieur. Par la souffrance des épreuves, mon frère et ma soeur, tu t'approches effectivement de Dieu davantage. Amen. Oui, monsieur. Parce que Job a dit, mais c'est par la souffrance que Dieu instruit l'homme. Amen. Mais oui, mais oui. Quand Satan vient t'attaquer, il ne se rend pas compte qu'effectivement, que ce qu'il fait, Dieu toujours en bien pour toi. Amen. Bien sûr. C'est la vérité. C'était dans le plan de Dieu. Pour que l'homme qui aimait tellement Dieu, Dieu devait l'amener à un niveau tellement si haut. Pour qu'il voit que comme il a considéré tellement Dieu, Dieu le considère aussi. Amen. Parce que c'est Job, lui, qui s'est dit, j'essaie une chose, que mon rédempteur est vivant. Amen. Job l'a dit, il dit, même si mon corps était pourri, mes yeux, et non pas c'est notre frère, il n'y a pas quelqu'un qui a dit comme ça, Job a parlé cela, parce qu'il a vu voir que son rédempteur était vivant. Amen. Il dit, mon corps peut être détruit, mais je verrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Assurance, monsieur. Quelle foi, quelle certitude. Cet homme avait atteint notre niveau. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Amen. Toutes choses concourent pour toi. Amen. 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 C'est pourquoi la défaite sur la terre, tu ne l'as pas. Amen. 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 Aussi longtemps que tu t'accroches à ces dieux, Amen. Que tu sais qu'il est pour toi, toi, tu n'as pas la défaite. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi
L'Écriture parle à celui qui vaincra. Tu es dedans. Amen. Amen. Voilà. Bien sûr, tu es dedans. Amen. Les vainqueurs, tu es dedans. Amen. Donc nous, nous sommes sur cette terre en train d'accomplir effectivement. Parce que frère, c'est le bien-aimé, c'est frère ça. Ce livre que vous voyez ici, merveilleux, Amen. A été écrit avant que le monde soit. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Parce qu'on nous dit, l'agneau de Dieu est volé dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Vous voyez que être chrétien n'est pas une pensée, mais c'est vraiment une réalité. Amen. Être un fils de Dieu n'est pas une utopie, mais vraiment une réalité. Amen. Que nous le sommes parce que c'est écrit, et ceci a été écrit avant que vous et moi nous venions dans le monde. Que la tombe puisse d'abord exister aussi. Donc, Dieu avait un programme avec Jean. Quand Dieu a un programme avec toi, il a sa disposition de moyens qu'il lui faut pour l'accomplir. Amen. Amen. Merci, c'est vrai. C'est sûr et certain. Quand il a un programme avec toi, eh ben, il a des instruments. Il veut l'église quand il le veut et comme il le veut pour toi en fait. Voyez-vous, quand Job était en train de pouvoir passer cette expérience là qu'il passait dans les cieux, les anges voyaient avec Satan aussi avec ses démons. Observer. Vous savez, pourquoi est-ce que Satan s'est acharné sur Job? C'est parce que Dieu s'était choisi Job. Amen. Amen. Alléluia. C'est 100% vrai. Amen. Quand Dieu vous a choisi, Alléluia. Il vous connaît. Amen. Vous réussirez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'épouse sera irrépréhensible. Amen. Amen. Malgré tout ce qu'on peut voir. Alléluia. Mais sera irrépréhensible. Amen. Sans tâche. Amen. Oui. Amen. Oui. Et bien. Amen. Et ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Remarquez une chose, mon frère. Quand le choix de Dieu s'est fait sur toi, c'est un bonheur inexplicable. Amen. Je veux que vous écoutiez cela pas comme une sorte de pensée, finalement, ou bien non, une chose que vous devez comprendre que c'est réel et que c'est vrai. Quand Dieu vous a choisi, vous, il vous a élu. Parce que quand je dis choisi, ça dit qu'il vous a élu. Amen. C'est un bonheur. Amen. Et vous ne pouvez même pas arriver à pouvoir apprécier la grandeur. Amen. Mais ceux qui ont été à côté de Dieu, ceux qui ont été des anges qui mettaient les soins à la perfection, ils savent ce que cela signifie. Amen. Satan sait ce que signifie quand le cœur de Dieu aime quelqu'un. Alléluia. Donc, lorsque Dieu a fait son choix sur toi, sache que Satan et tous ses démons. Alléluia. Vous avez entendu dans le livre de Jean, au chapitre Matthieu, chapitre 16, il a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc c'est là où se trouvera mon église à moi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il dit, tout l'enfer, tous les démons vont combattre cette église-là pour montrer à Dieu que ça ne valait pas la peine de la prendre. Amen. Bien sûr. C'est ça le combat que vous avez, effectivement. Satan cherchera à dire à Dieu, dit, mais celle-ci n'est pas, toi, regarde comment elle n'est même pas capable pour ça. Mais Dieu dit, mais elle est capable. C'est pourquoi, frère, c'est ça. Tu sais que beaucoup de prédicateurs viennent de dire, c'est pourquoi je dis, frère, vous n'avez pas à pouvoir mettre un homme au-dessus. Non. Non, frère. Non. Non. Pourquoi Dieu peut-il dire qu'elle est capable?
Parce que la capacité de cette soeur, de cette soeur, celle-là, c'est la fille, ne vient pas d'elle. Amen. Non. Amen. Elle a le faiblesse. Il ne peut pas réussir. Amen. Mais s'il y en a un, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi. Amen. Non, c'est Jésus, il est bon, mon frère. Comme dit qu'il est bon de louer Dieu. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Amen. C'est la vérité, mon frère. Amen. Pourquoi nous avons toujours besoin, nous ne comprenons pas. Nous avons toujours besoin de lui. Amen. C'est vrai, il va. Si ce n'était pas lui, on n'aurait pas eu des apôtres. Amen. Si ce n'était pas lui, on n'aurait pas eu. Alors, que ce soit Paul ou Pierre ou Simon ou Jacques ou je ne sais pas moi quoi, il n'est pas le plus grand. Non. Ou Branham, ça se fait bien. Amen. Il n'est pas le plus grand. Amen. Alléluia. Le grand problème avec nos frères aujourd'hui, Branham a dit, Branham. Vous savez, quand, écoutez bien, quand vous dites toujours que Branham a dit, frère Branham a dit, vous insultez Dieu. Mais ça, je voudrais que tous mes frères, au moins qu'on reconnaît ça, quand vous dites que frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham, tout le temps, ce que vous insultez Dieu, en fait, notre frère Branham n'a rien à dire. Mais celui dont je besoin d'entendre, c'est que le Seigneur a dit. Parce que si le Seigneur n'avait pas parlé, Branham n'allait pas parler. Non. C'est pourquoi que l'apôtre Paul dit, mais nous vous disons ceci d'après la parole de Paul. Non. D'après la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Père et ma soeur. Amen. Les gens ont commis beaucoup d'erreurs. Parce que j'ai dit, ça enlève-toi. Ça a toujours été un exemple. Et je l'aime beaucoup. Hein. Amen. L'exemple, c'est d'enfant, il ne faut pas les détester. Mmh. Une fille d'abord. Amen. Amen. Sarah, que vous voyez ici, elle dormait, elle dormait, elle pensait à qui? William Branham. Mmh. Elle était tellement amoureuse de Branham. Mmh. Mais c'est vrai. Mmh. Pourquoi? Parce que dans l'église où elle était, c'était Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, le frère Branham a dit, frère Branham a dit, brochou sous brochou. C'est vrai ou pas? Et le cœur de cet enfant ici aimait tellement William Branham, mais les brochures et à manger, quoi, aussi. Elle aimait tellement quand il dormait, William Branham. Elle dit, mais même si je mourais, je voudrais quand je serai au ciel, tu vois qui? Donc Jésus qui est mort pour elle, elle ne désire même pas la voir. Mais quand le temps de son père est arrivé, parce que la parole a frappé là, tout ce qui était de Branham a été vomi, et Christ est rentré dans le cœur. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'elle n'aime pas William Branham. Non, monsieur, il y a une place pour William Branham, il y a une place pour Paul, et la grande place. Quand mon frère et ma soeur, je veux que les choses soient claires pour nous. Chacun de nous, je sais que ça dispose des gens. Il ne faut pas te disposer. Ça dispose des gens parce que c'est vrai, frère. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été bien instruits. Non, c'est vrai. Les gens pensent, parce qu'en fait, ça vient des États-Unis. Hein. On a amené ça partout en Afrique parce que je connais ton histoire. Donc, en fait, les gens ont tellement donné mal. Vous savez, j'ai prié que Dieu accorde vraiment la grâce. La fausseté prend plus d'ampleur que la vérité. Ben. Ce qui est mauvais, ça s'abat plus facilement que ce qui est vrai. Tous les frères qui sont là, frères, c'est pas eux, ce sont les Américains. Ils sont venus effectivement avec déjà la pensée d'idolâtrie pour placer l'homme, effectivement. Évidemment, quand on te donne ça à toi, tu penses que c'est le message. Il faut simplement répéter, non monsieur, on doit revenir au fondement original. Être la place qu'il faut, effectivement, parce que quand on n'a pas l'auteur de la parole, effectivement, en nous, on n'a rien. Amen. Nous avons besoin de pouvoir réellement être positionnés dans les choses de Dieu pour que ce soit le peuple de Dieu, que ce soit le serviteur de Dieu, puisse arriver à pouvoir servir pleinement
leur Seigneur. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Et Dieu veut que nous soyons instruits. Parce que pourquoi? Dieu a un programme pour toi. Amen. Satan a vu effectivement que Dieu a un programme pour toi. Il t'enverra beaucoup de fois. C'est pourquoi là, il y a des gens dans la dénomination, messieurs. On a avalé n'importe quoi. La première fois, c'est comme cela. Mais quand Dieu te connaissait, il avait un programme pour toi. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Voilà que Job, Dieu avait un programme pour lui. Dieu le connaissait effectivement. Et là, il est venu, effectivement, mais il a permis que Satan, qui était l'ennemi des gens du bien, c'est pour ça, dans le cœur d'un véritable enfant de Dieu, vous ne devez jamais avoir de la haine à l'endroit de Dieu. Amen. Importe, parce que regardez bien comme c'est écrit ici. Et ça, vous le trouvez où c'est? Dans les églises maintenant. Oui, oui. Regardez bien. Timothée, je pense. Hein, Timothée. C'est de Timothée, je pense. Hein, chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. De Timothée 3, verset 1. Et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous suivez? Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, pharaons, hautains, casse-menteurs, rebelles à leurs parents, bas et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez? Ce n'est pas seulement à l'extérieur, pas c'est un esprit. Oui. Parce qu'on dit, oh, c'est pour le monde. Oui, certainement, c'est vrai que dans le monde, mais en fait, les esprits en question sont des hommes. Amen. Ces hommes vont aussi dans les églises. Amen. Ces femmes, ils vont dans les églises, effectivement. Donc, ce qui est là-dedans, effectivement, c'est comme cet homme. Ils viendront aussi parmi vous. Amen. Bien sûr que oui, monsieur. Bien sûr que oui. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a toujours eu encore montré que la calomnie parmi les frères, sœur, ça ne peut pas exister. Amen. Amen. Un frère qui est toujours là comme ça avec l'argent pour pouvoir payer la dîme, il donne la bof. Comme un frère m'avait dit une fois. Mon pasteur, je vais quand même être sûr parce que moi, quand je dois payer la dîme, je paye d'abord le loyer, les factures d'électricité, les gaz, les turbines, les ceci, l'école des enfants, la nourriture des petits-enfants, les pneus de la voiture, les cachettes, contrôle technique et tout ça. Quand j'ai tout payé, les restes alors, je paye la dîme. Bon, quand vous avez tout payé, il reste quoi? C'est dans le rouge, non, sur le compte en banque. Vous n'allez quand même pas aller chercher dans le moins 200 euros qui est sur le compte en banque pour payer quand même la dîme. Vous comprenez? Je ne connais pas la parole. C'est vraiment précieux. Fanfaron, ami de l'argent, la sénateur, vous savez, tout ça, vous allez dire, oh, c'est Jean de l'extérieur, mais vous-même. Observez-vous quand vous êtes assis dans un lieu comme ça et que la parole de Dieu est prêchée. Qu'est-ce qu'il y a comme réaction? Oh frère, tu sais, nous sommes dans une période là. L'argent, c'est pour moi. Mais la Bible dit que l'amour de l'argent. Mon Dieu. Amen. Et donc, dit, n'aimez pas l'argent. Amen. C'est quelque chose. Nous dire, un fils de Dieu ne peut pas avoir l'amour de l'argent. L'argent, c'est l'argent. Non, ce n'est pas une bonne chose. Amen. C'est un moyen que nous avons pour payer quelque chose. Amen. Mais pas que, il me faut parce que tu vois, je travaille, mais monsieur, si je travaille, même si c'est 48 heures par jour, je donne un exemple. Et mon frère Jonas, il est là, il n'a pas de chaussures qui sont bien. Voilà, mon salaire, là, je peux quand même acheter des chaussures pour lui. Amen. 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 Tout ce qu'ils avaient mis en commun. C'est pas vrai. Ils vendaient les propriétés, ils vendaient de l'argent. Quand on parle de ça, mais c'est quand même là la vie. Amen. 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 Un fils de Dieu n'a pas sans lui. Amen. Avoir la route. L'égoïsme. L'égoïsme. Je ne vais pas rentrer dans mon chemin. L'égoïsme. Amen. Amen. Alléluia.
C'est quelque chose dans lequel on ne peut pas. Nous, qu'est-ce que nous disons ici? Vous vous souvenez dans l'acte que nous aimons beaucoup, non? Vous avez peut-être réveillé tout à l'heure. Et 4 chapitres, 4 verset 31, il dit, tous ceux qui croyaient étaient tous d'un même cœur, une même âme. Personne ne disait que ça m'appartient pas. Ouais. Amen. Donc, nous nous retrouvons. Le grand problème avec nous, c'est que nous sommes tellement trop soupçonneux, en fait. Oh, telle sœur pense ceci de moi, il pense ceci de mes enfants, et les enfants ceci. Mais tu as dit quand même que nous sommes tous frères et sœurs. Tes enfants sont tes enfants. Amen. Amen. Que tes enfants aillent. Bon, puis parce que je veux la sœur Sarah, parce que c'est sûr qu'ils sont à côté de moi. Qu'ils aillent vivre dans la maison de la sœur Sarah. Et qu'ils commettent des bêtises là-bas, que la sœur Sarah leur prenne pour même frapper des fouets. Et bien chez toi, oui, et c'est prend pour qui la sœur Sarah? Pour taper les enfants, moi. Il y a moi. Et j'ai souffert, moi. D'abord, comment? Et tu dis ça en leur présence. Puis dans la salle, il dit, gloire à Dieu. Ah, sœur, Dieu te bénisse. Alléluia. Sœur Sarah, je t'aime beaucoup, sœur. Mais à la maison, alléluia, devant les enfants, amen, qu'est-ce que tu as dit? Mes enfants, moi, mes enfants, mon frère, vous êtes encore des païens. Amen. Mes enfants, pour la païen, mes enfants, pour Dieu, mes enfants. Non, ces enfants-là sont ses enfants. Amen. Quand tu arriveras à ce point-là, dis que je suis sauvé. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas arrivé à ce point-là, eh bien, c'est à moi, c'est si, c'est l'égoïsme, toujours à moi. Moi, 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 moi. Il y a un problème, monsieur. Amen. Il faut que quelque chose se passe, mesdames et madame, messieurs. Amen. Et quand tu regardes effectivement que amen, ce qui est à moi et à mon frère, amen, autrement, pourquoi je l'appellerais mon frère? Amen. Je serais hypocrite, messieurs. Amen. Je suis un faux, je suis un double. C'est vrai. Oh, frère, mais c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est vrai. Amen. Oh. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc là, Dieu faisait passer. Donc voilà que Job est entré dans cela. Et Satan venait pour pouvoir montrer à Dieu, parce que Dieu est tellement content de toi quand il te regarde. Vraiment. Quand tu pleures dans sa parole, mm-hmm, quand tu cherches à faire sa volonté, mm-hmm, dans les difficultés, Dieu se réjouit. Amen. Amen. N'oubliez pas ce que vous entendez. Amen. Dieu te voit seul. Amen. Dieu te voit. Amen. Accroche-toi et sois toujours fidèle à Dieu de tout ton cœur. Même si les hommes ne le voient pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui-même qui dit, mais as-tu remarqué mon serviteur? C'est la terre. Oh, il veut dire ça. C'est mon frère Jean. Alléluia. Amen. Mon frère Raoul. Amen. Ah, de mon grand Isaac ici. Amen. Que te bénisse notre Lord. De chacun de vous. Amen. Dieu veut se réjouir en toi. Amen. Quand Satan a entendu cela, il dit, oh, Dieu est tellement content de tel frère, de Job. Oh, non. Parce que lui, il sait que plus jamais on va venir à la position qu'il avait. Amen. C'est l'enfer. Amen. Alors, il dit, non. Et puis, il regarde Dieu, effectivement. C'est toujours comme ça. Est-ce d'une manière désintéressée qui est Job te sert? Tu as béni quand même ce troupeau quand même. Tu as fait ceci effectivement. Ouais. Pour pousser des animés, tu sais, s'il te chante, s'il danse pour toi, s'il prie toi, s'il te sert, c'est parce que tu l'as béni. Amen. Alléluia. Mais frères et sœurs, c'est normal. Quand tu aimes Dieu, quand tu chantes pour Dieu, la bénédiction doit venir. Amen. C'est le principe même de la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, amen, voici les bénédictions sur ton partage. Amen. Mais c'est normal que les gens devaient être bénis. Amen. Et respecter Dieu, et Dieu, quand Dieu aime, il bénit. Amen. Alors Satan dit, oui, mais c'est parce qu'il est bien, tu le bénis. Retire simplement tes bénédictions, tu vas voir. C'est comme ça, il est toujours là pour faire en sorte que toi, tu sois mal vu aux yeux de Dieu. Amen. Amen. On l'appelle l'accusateur de nos frères. Amen. 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 Vraiment. Jamais il dira de bien de vous. Vraiment. Ça, c'est pourquoi quand vous donnez aux choses des démons, vous nous l'avez un peu...
un peu encore, quoi. La grâce bouteille, le poisson, là, bouteille, bouteille, bouteille. Il est content, vous pensez qu'il fait du bien. Non, monsieur. Il dit, mais il se moque bien de vous. Ouais. Pour que vous puissiez lui montrer effectivement qu'il ne vaut rien à votre endroit, ne faites jamais ce qu'il vous demande de faire. Amen. Amen. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Parce que jamais il ne pensera du bien de vous. Tout ce qu'il pense, effectivement, c'est toujours du mal. Il va vous pousser à commettre du mal, effectivement. Pour... Ah, qu'est-ce que c'était dit? Non, je ne vais pas rester. Ainsi donc, nous voyons ces intentions, mais aussi longtemps que toi, tu es entre les mains de Dieu. Amen. Nous l'avons entendu, il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il savait que puisqu'il a jeté le regard sur toi, son adversaire, qui n'aime pas ce que Dieu aime, allait se tourner contre toi. Amen. Alors Dieu avait prouvé le moyen. Aussi longtemps que tu donnes la parole de Dieu, alors tout ce que Satan cherchait à pouvoir faire, quand Dieu lui a dit, mais je te permets, il dit, je te permets jusqu'à tel niveau. Amen. C'est, amen. C'est pourquoi, quand vous entrez dans l'épreuve, ne vendez pas votre âme. Amen. Ça peut être tellement dur, mais sachez une chose. Amen. Et Dieu avait déjà pourvu une parole. Ça, c'est 100% vrai. L'épreuve ne peut pas te tuer, non, monsieur. Non. Avec l'épreuve, si tu es vraiment ferme à Dieu, tu vas sortir. Amen. Alléluia. Il faut toujours employer le bon moyen. Amen. Quand le premier, je ne sais pas ce qui va arriver, Seigneur, tu fais durer le prêt. Vous voyez, monsieur, à cause des plaintes, je ne sais pas, mon Dieu, écoute-moi comment, qu'est-ce qui m'arrive, effectivement, le Seigneur, mon Dieu. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand ça montait, ça chauffait, effectivement, je m'a commencé à pouvoir dire, moi, je suis Job, il me dit, mais. Et puis, quand Dieu est venu vers lui, il a dit, mon ami à moi, je reconnais que tu es un bon ami. Il dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins? Amen. Qui obscurcit mes desseins par des discours? C'est intelligent. C'est vrai, parce que parler trop, mais ça ne sert à rien. Amen. Tu dois simplement te mettre à genoux. Amen. Seigneur, si on, c'est pour ça, venir à l'assemblée pour que la parole de Dieu, c'est important pour toi. Amen. Parce que la parole de Dieu est quelque chose de très important pour ton âme. Amen. Quand l'épreuve vient, la parole sort. Amen. Il dit, souviens-toi qu'on a parlé de ça. Amen. Alors, dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? À genoux. Amen. Ça. Cherche la face de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vraiment. Si je faillis, montre-moi. Amen. Je ne serai pas. Amen. Mais Amen. Je t'aime toujours. Amen. Je te servirai toujours. Amen. Ma vie t'appartient. Amen. Peu importe mon état, Amen. Je t'appartiens. Amen. Et si vous agissez comme ça, plus Dieu agira en toi. Amen. Amen. Allez, dans la prison, pour les seigneurs, on dit, mais c'est pas possible, moi j'étais seul quand même, on me fouette comme ça, comme un homme. Non, ils ont chanté, Amen. La voix est sortie. Amen. Amen. Alors les prisons ont tremblé, Amen. Les portes sont ouvertes, Amen. Ça, on ne peut même pas penser. Amen. Même les sentiers, les messieurs, les candidats, ils disent, tu me dis, non, ne te tue pas. Amen. Nous n'avons pas fui, nous sommes tous là, non? Amen. Nous regardons, nous n'avons pas fui. Hein. Cet homme a fait quoi? Toute sa maison est lui-même. Moi, c'était le Seigneur. Amen. Donc, c'est que nous devons avoir une bonne attitude. Amen. Lorsque nous nous trouvons dans une situation, ce n'est pas bon, effectivement. Amen. Et que même si l'épreuve nous vient, nous tombe dessus, nous devons être sûrs et certains. Amen. Que... J'aime ce canté qui dit, l'épreuve aura toujours son terme. Amen. Quand nous remarquons cela, effectivement, dans les Saintes Écritures, avec, donc, avec Job, et puis avec Abraham, nous revenons vite, effectivement, pendant que lui... C'est et voilà que, assis sous le chef de Mamré, Dieu avait appelé Abraham. Il avait un programme avec Abraham. Mais il voulait aussi nous montrer, effectivement, que quand il appelle quelqu'un, il connaît cette personne. Amen. Et les dispositions du cœur de la personne, Amen. Il les connaît aussi. Amen. Et voilà que. Quand il avait accepté à dire, Seigneur, ce que tu me montres, je le crois, Dieu l'a regardé. Et voilà que les années ont passé, et puis Dieu qui vient, trois hommes qui passent là, je disais que ça va passer, mais c'était là de nouveau, il devrait les voir, il n'a rien dit. Ces hommes n'ont rien dit, et puis bon, c'était là seulement, c'est Abraham, qui lorsqu'il les a vus, il ne pouvait pas rester insensible. Vous savez, frères et sœurs, quand le Seigneur s'est manifesté dans votre vie, il a touché votre âme, vous étiez en contact avec le surnaturel,
vous ne restez plus la même personne. Amen. Vous ne serez plus. Quand vous êtes toujours avec toi, c'est que vous n'avez pas encore été touché par cette main puissante dans votre âme. Amen. Vous ne serez plus insensible. Vous devenez amoureux des gens, c'est Amen. Vrai. Amen. Très sensible aux douleurs des uns comme des Amen. Autres. Oui, c'est vrai, parce que les gens parfois ont des têtes qui tournent. Mais c'est vrai, frère. Vous, quand j'aime toujours cette écriture, je prie que Dieu nous aide à ce que nous comprenons vraiment ça. Dit, mais aimez-vous ardemment. Les uns. Vous savez, ça veut dire ardemment. C'est aimez-vous ardemment, ardemment. Donc, c'est-à-dire qu'au plus profond, avec cette Amen. Flamme d'amour, effectivement, Amen. Qui brûle Amen. Toujours pour votre frère, Amen. Pour votre soeur. Amen. Amen. Alors, quand Abraham a pu arriver pour avoir, c'est là qu'on voit le signe de l'élection dans la personne. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure ce matin, Jean 14. C'est pas vrai? J'ai dit que je vais y revenir. Je cours vite pour y revenir. Je veux que vous puissiez voir et comprendre les choses. Afin que vous ne soyez pas comme si nous sommes dans quelque chose que nous ne pas. Il faut que nous comprenions les choses. Alors, regardez bien, il les a vus. Ce n'est pas eux qui ont dit fais ceci. Non, lui-même. Amen. Au plus profond de son cœur, de son âme. Abraham se jette, il a dit oh! Accordez-moi la grâce de ne pas passer outre, effectivement. Il dit, mais asseyez-vous, je vais faire ce qu'il faut. Je vais même laver vos pieds, effectivement. Et puis, il continue de dire, mais c'est pour cela que vous passez près de votre Seigneur. Ah ah. Quand Dieu a touché ton âme, et que Dieu se manifeste dans le surnaturel, même dans une forme, quand il se tient là, ton intérieur doit bouger. Amen. Ton intérieur doit bouger. Amen. Amen. Il n'avait pas dit à Abraham, il dit, je suis Elohim. Non, il n'a pas dit ça à Abraham. C'est Abraham qui dit, mais c'est pour cela que vous passez près de... Évidemment, monsieur, il y avait un but pour lequel le Seigneur avait besoin de venir là-bas. Amen. Mais il n'avait pas parlé à Abraham, il dit, Abraham, mais le son, je verrai, c'est toi. Non, monsieur. Abraham a vu trois personnes. Mais l'intérieur d'Abraham, quand on a Christ, mon frère, c'est une grâce. Amen. 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 L'intérieur d'Abraham a eu à pouvoir faire la différence. S'il vous plaît, frère, ça. C'est pourquoi, quand j'entends des hommes qui adorent tellement des hommes et qui font tellement de choses, je dis, et puis en plus, ils disent encore des prédicateurs, mon âme est brisée au-dedans. Genèse chapitre 18, on nous dit qu'il y avait trois personnes. Trois personnes qui s'étaient nées devant. On va les lire avec vous. Que vous puissiez voir. Trois personnes. Genèse chapitre 18. Verset 1. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regardait, voici, trois hommes étaient debout près de lui. Vous avez entendu ça? Il a vu trois hommes qui étaient là debout devant lui. Et puis il dit, quand il le vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Vous entendez? Trois hommes, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, Seigneur, Seigneur, c'est Seigneur au pluriel ou au singulier? Et pourtant, il y avait trois hommes. Trois hommes, mais ceux qui regardaient effectivement, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Seigneur au pluriel, il a dit Seigneur au singulier. Parce qu'il continue, il dit, mais si j'ai trouvé grâce à vos yeux, non. À tes yeux, Amen. Ne passe au point de te prier loin de ton serviteur. Amen. Oui, monsieur, quand on est un fils de Dieu, on sait faire différence si c'est le Seigneur Amen. Ou si c'est l'homme. Amen. On ne mélange pas les deux, monsieur. Amen. Il y a une différence. Amen. Et pourtant, l'homme n'avait rien dit. Amen.
n'avait pas parlé. Il y avait trois. Comment a-t-il fait la différence entre les trois? Évidemment, entre les trois, il y avait le Seigneur et d'autres étaient des anges. Amen. Il n'a pas adoré les anges. Non. Mais il a été vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est absolument important, mon frère. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire la différence. Aujourd'hui, j'entends, Branham est Dieu, Branham est ceci. Tout ça, c'est la faute des prédicateurs. Amen. Disons, ils seront jugés sévèrement pour avoir tué les âmes. Ils auront donné ce qui est faux à la place de ce qui est vrai. Oh, on va faire de ces anges-là aussi des dieux. Non, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous voyez, frère, l'élection est quelque chose de très différent. Très, très différent. Il fait de vous un homme, une femme particulière. Amen. La façon qu'on va avoir. Alors, voilà que. Viens là. Alors maintenant, quand on a cela en soi, et que Dieu maintenant s'adresse et que la chose se présente à vous, c'est la manière dont vous réagissez à l'endroit de la parole de Dieu qui démontre ce que vous êtes. Amen. Bien, messieurs, madame. Je vais aller vite maintenant. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous avons jamais vu ça ici. Amen. Alors, la question que nous avons posée la fois passée était de savoir, mais à qui est-ce que le Seigneur Jésus a dit « Je en vais vous préparer une place ?» Et quand j'aurai terminé, je reviendrai pour vous chercher. Amen. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Ouais. Vous vous souvenez? Amen. Hein? Soyez un peu patient. Je vais vite terminer, frère, puis vous allez rentrer parce que je sais que l'heure passe vite. Que Dieu vous donne la force. Amen. Je désire pour la première fois que Dieu vous soutienne beaucoup. Amen. Alors, regardez bien. Vous avez vu la réaction d'Abraham à la droite de ceux qui s'étaient les devant. Comment Abraham a reconnu effectivement l'un de ceux qui étaient Dieu. Si vous continuez dans le chapitre 19, verset 1, on dit que les deux anges sont descendus donc à cet homme et l'Éternel est resté avec Abraham. Chapitre 18. Hein? Vous venez, non? Amen. Les anges sont restés parce que le Seigneur dit pour les mêmes. Cacherai-je Abraham? Ce que je veux faire. Voilà. Abraham a montré d'abord le signe. L'élection. C'est ça. Amen. Que ça, c'est un homme que j'ai choisi. Il a voulu que toi et moi, nous soyons sûrs et certains que Dieu n'a pas fait d'erreur. Amen. Amen. Il est venu là, il avait trois. Il pouvait se tromper. Dieu n'a pas parlé, mais Abraham ne s'est pas trompé. Il a reconnu que celui-ci, c'est l'Éternel. Et c'est de là des serviteurs des anges. Effectivement, il y a remarqué une chose. Cela que nous devons aussi, parce que faut pas s'affubiler de penser en se disant, oh oui, c'est de moi que Dieu a parlé, parce que c'est vrai, tu as quelqu'un, on dit, oui, quand tu as parlé ça, moi, je suis l'écoute. Il faut bien faire très attention. Amen. Parce que la nature doit se manifester. Amen. Amen. Regardez, s'il vous plaît, frère, quand est-ce que le retour d'Abraham s'est manifesté? Lorsque la parole s'est manifestée à lui. Amen. Alléluia. La parole est venue vers Abraham. Comment Abraham a reçu la parole? Regardez bien, la Bible dit, effectivement dans la joie, je vais prendre de l'eau, je vais vous laver les pieds avec allégresse. Le jour de Pentecôte. Quand Pierre a prêché la parole de Dieu, la Bible dit ceci que c'est là qu'il dit, leur cœur fut durement touché. Ils ont dit, homme, frère, que ferons-nous donc? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour les pardons de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu nous appellera. Et la Bible dit, ceux qui reçurent avec joie et de bon cœur sa parole furent donc baptisés. Oui, monsieur. Lorsque la parole est venue, effectivement, on a pu voir la réaction d'Abraham. L'empêchement qu'il avait effectivement parce qu'il voulait laver les pieds. Il dit, mais je vais tout faire pour vous, effectivement. Je vais préparer. On va ranger. Et l'agneau de l'heure, effectivement, tout ce qui est de bon. Empêchement de recevoir. Amen. Oh oui, monsieur, parce que au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand il est venu vers Abraham, il a montré qu'il était un élu. Amen. Il y a, monsieur, il y a, madame. Et tout son cœur. Abraham n'a pas cherché à prendre un mouton aussi vieux de deux ou trois ans, j'ai vraiment cinq ans, avec la chair, quand vous montez, c'est comme des cordes, des chaussures. Non, monsieur, c'est pour ça. Quand vous recevez quand même, genre chez vous à la maison, vous n'allez prendre pas la viande qui est restée pendant six mois. Non. Vous avez une viande qui est restée là, qui a congélé, gelée. Vous n'avez même pas le droit de les manger vous-même. Mais ce jour-là, quand le frère Abraham vient chez vous, c'est les morceaux que vous allez chercher. Oh, merci Seigneur, si on va prendre quoi là. Ah, quelle viande. Ah, là-bas au fond. Tu envoies l'enfant. Tu vas gratter au fond là. Tu connais là. Pour l'enlever bien, il faut prendre en fait avec un bâton. Parce que tellement coincé, il faut le faire sortir. Et on fait sortir. Et on va prier pour donner en fait. C'est ça sur la parole. En fait, nous. Nous devons avoir des dispositions tout à fait différentes. Amen. Amen. Savoir donner aussi ce qui est le meilleur. Amen. Amen. Parce que c'est une joie. Amen. Le plaisir de voir votre frère et votre soeur assis là en train de manger avec joie et voir leur bonheur rayonnant de leurs yeux. Amen. D'être là avec vous, de se sentir bien, de pouvoir partager ce que vous avez effectivement. Leur bonheur, c'est ton bonheur. Amen. C'est pourquoi un fils de Dieu ne peut pas être un égoïste. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a la main facile. Amen. Et partage facile. Amen. Vous savez que il y a des. Alors c'est sûr, c'est terrible, mais c'est quand même. Il y en a de ceux pour lesquels il faut prier pour la délivrance. Amen. Surtout dans le domaine de l'argent. On dirait que ça va de la femme. Il y a des familles comme ça. Hein. Ils sont nés avec ce genre de choses, effectivement. Il faut prier parce que quand ces genres de liens restent en vous, on ne veut pas servir Dieu de la bonne manière. Non. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui est libéré. Amen. Il sent que son cœur est là, et il fait avec un cœur, la libéralité, comme c'est dit. C'est son cœur qui se donne, effectivement. Amen. Puis, Abraham l'a fait. Abraham m'a montré effectivement ce qu'il. Et quand Abraham faisait cela, Dieu l'observait. Pour voir, ce n'était pas quelque chose qui est fait parce qu'on lui disait, parce qu'il n'y a personne qui lui a dit de le faire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quelqu'un qui venait, Abraham, tu vois, est-ce que tu dois faire comme un Seigneur? Tu vois, Seigneur, fais ça. Non, c'est comme le jour de Pentecôte. Pierre n'a pas prêché par l'argent. Vous savez? Pierre n'a pas dit, allez, vendez ce que vous avez, ramenez ici. Ou donnez à vos frères. Non, monsieur, chacun rentrait chez lui à la maison. Quand il est rentré, effectivement, son cœur dans son âme dit, mais j'ai ça, je vais amener. C'est tout son cœur. On n'a pas prêché sur la dîme d'offrande. Non, monsieur. Dans le fond intérieur, pourquoi? Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu a un dessein. Amen. Quand elle vient vers toi, tu dois savoir effectivement que voilà ce que la parole de Dieu me dit, ce que Dieu attend de moi. Je suis censé pouvoir faire ça. Si tu es un élu de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup d'explications. Non, monsieur. Une seule parole, alors le Saint-Esprit pour toute l'explication. Oui, monsieur. Oui, madame. Le jour de Pentecôte, Pierre n'a pas parlé. Allez, vendez, venez, ramenez, mettez tout en commun. Non. La seule parole qu'ils ont entendue avait la puissance. Ils n'ont pas résisté à la parole de Dieu. Abraham,
n'a pas résisté à la parole de Dieu. C'est de tout son cœur avec empressement que cet homme a eu à pouvoir tourner ce qu'il avait. On pouvait voir qu'effectivement que ça, c'est ainsi. Que celui-ci, quand Dieu l'a choisi, il savait ce qu'il faisait. Les gens de parole prophétie, ce n'était pas par hasard qu'ils étaient là. Alors, mesdames et messieurs, ce que Dieu savait effectivement, ce qu'il faisait les jours-là, quand il allait porter la sur ceux qui étaient là aussi. Alors, regardez bien, frère. Quand il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vais terminer. Aujourd'hui, toi et moi, nous qui sommes assis ici, et d'autres qui sont aussi en connexion aujourd'hui aussi, nous savons une chose, frère et soeur. Un jour, et ça sans nombre d'un doute, que Jésus-Christ notre Seigneur va revenir. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez, avec les années qui passent, ça devient une habitude. Dans toutes les églises, on parle de Jésus reviendra. Ils les disent, comme vous aussi vous l'avez entendu. Mais la question qu'on se pose est de savoir pourquoi Jésus-Christ doit-il revenir? La deuxième, pour qui viendra-t-il? Pourquoi il va revenir? Et pour qui reviendra-t-il? Je vais vous rappeler une chose. Vous qui dites, nous sommes l'épouse, certainement, Dieu vous bénisse pour cela. Et Israël était aussi sorti de l'Égypte. Oui, pour aller à la terre promise, il n'est jamais entré. La Bible dit que ils avaient un rocher qu'elle levait, et ce rocher le suivait. N'est-ce pas vrai? Ils avaient mangé une nourriture spirituelle, surnaturelle. Mais ils sont tous morts dans le désert, excepté Josué et Caleb. Tous ceux de l'ancienne génération morts dans le désert, excepté Josué et Caleb. Maintenant, Jésus-Christ revient. Pourquoi revient-il? Et pour qui est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qu'il vient donc chercher? N'oubliez pas, frères et sœurs, il a fait la promesse à ses propres disciples que je m'en vais vous préparer une place. Il n'a pas fait la promesse à quelqu'un d'autre. Le Seigneur Jésus-Christ a fait la promesse à ses propres disciples. Et souvenez-vous, que ce soit Philippe, que ce soit Thomas, que ce soit Jean, que ce soit Pierre et tout cela, ils étaient sûrs et certains que c'était à eux que le Seigneur a eu à pouvoir faire cette déclaration. Parce que, avant de le faire, il a attendu jusqu'à ce que Judas l'Iscariote se soit en allé. Et il a fait maintenant la promesse à ceux qui étaient là. Ils étaient conscients que vraiment, c'était donc à eux qu'il avait fait la promesse. Maintenant, ma question est celle-ci. Nous, nous posons la question de savoir pourquoi il avait la promesse. Pour qui vient-il? Dans la question que je vais vous poser, celle-ci, nous l'avons entendu, souvent on le répète, mais il a fait la promesse à ses disciples-là, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si elle n'avait pas, je vous aurais dit, mais moi ici, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas vrai? Donc, Pierre était certain de la promesse. Abraham était certain de la promesse. N'est-ce pas vrai? Oui, monsieur. Dieu lui a fait la promesse. Job aussi. Job aussi était certain de la promesse. Il a dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Que mes yeux et nos yeux le verront.
Même si mon corps était pourri, mais moi, Job, je le verrai. Il était certain de la promesse que Dieu lui avait faite. Maintenant, toi, mon frère, toi, ma soeur, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Là, on se tient aux disciples. Et toi, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Vous savez, vous pouvez aussi prêcher l'enlèvement, mais que l'enlèvement vient, on peut ne pas être dedans. Eh bien oui, monsieur. Parce que l'enlèvement est écrit dans la Bible. Tout le monde peut parler de cela. 2 Corinthiens, chapitre 14, chapitre 5, effectivement. Et c'est écrit quand même, non? 4, 5, tout le monde le lit. C'est pas seulement vous, tout le monde le lit, effectivement. Donc tout le monde peut aussi parler de la révélation, on parle aussi de l'enlèvement. Donc vous pouvez parler de ces choses. Et à la fois la connaissance, effectivement, mais jamais être dedans. Maintenant, la question, on va terminer là. La question de pouvoir savoir, toi mon frère, toi ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a fait comme promesse? Parce qu'Abraham, Dieu lui a parlé. Vas-y donc, ta pensée était sur la pompe, c'est pas du ciel. Oui, monsieur. Parce que c'est un exemple de la foi qui les suit. Et toi, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Et voyez-vous, j'ai toujours dit cela aussi, que l'autre pouvait s'asseoir là, quand Dieu dit à Abraham, effectivement, que voici, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. L'autre pouvait dire aussi que moi aussi, ma femme pense pas qu'on va coucher, effectivement, parce qu'elle est stérile, effectivement. Et sa femme pouvait attendre même pendant 200 ans, Amen. 600 ans, elle n'est jamais accouchée. Stérile, elle est restée. Mais Sarah, oui. Parce que la promesse avait été faite à Sarah. Amen. Mais pas à l'autre. Maintenant, la question de savoir, qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Ça ne sert à rien de courir à gauche et à droite, de vouloir ceci et de vouloir cela. La question de pouvoir savoir, est-ce que Dieu t'a parlé aussi? Amen. C'est juste. Parce que, comme nous l'avons entendu le jeudi, c'est sûr et certain, les cieux et la terre passeront à vous. La terre sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Tout ce que vous voyez, c'est sûr et certain, rien ne va rester. C'est juste. Même si vous ne le croyez pas, ça va s'avancer. Donc, le problème est ceci. Ou est-ce que moi, je serai? C'est ça. Dieu ne va pas venir chercher les membres d'une église. Non, non. Non, monsieur. Parce qu'il n'a jamais fait la promesse aux membres d'une église. Non, monsieur. Mais il a fait la promesse à ses disciples. Amen. Vous voyez pourquoi nous devons sortir de tous les ismes de ceci, des baranismes, des franquismes, de ceci et de cela, Amen. Pour venir effectivement à quoi? À Jésus-Christ lui-même. Amen. Il faut que chacun de vous comprenne, frère. On doit sortir aussi de nous-mêmes. Amen. Chacun doit sortir de lui-même pour entrer effectivement dans la place que Dieu a voulu. Amen. Parce que la promesse n'a pas été faite à toi. Eh oui, monsieur. Amen. Eh oui, madame. La question que l'on doit savoir, Seigneur, est-ce que je suis l'un d'entre eux? Moi. Pierre, avant le baptême du Saint-Esprit, il le savait. Oui, monsieur. Je vais vous poser une question. Quand Dieu vient vers... Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Je vais terminer. Quand Dieu vient vers Abraham, dans Genèse chapitre 17, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, voici, j'établis mon alliance. N'est-ce pas? Vous allez lire avec vous? Genèse 17.
Verset 17, ça va dire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Vous suivez? Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit, en disant, voici, vous entendez, mon alliance que j'ai fait avec toi. Vous avez entendu cela? Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, des descendants après toi, selon les générations, sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Tu as entendu cela? Amen. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, ce sera ainsi l'alliance entre moi et vous. Vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu? Amen. Donc, la promesse avait été faite à Abraham avant la circoncision. Amen. Amen. Yes, yes. Amen. Oui, voilà. C'est la Bible, non? Amen. La circoncision a été donnée comme étant le signe de l'alliance. Amen. C'est la Bible, monsieur, c'est clair et c'est vrai. Donc, Abraham était sûr et certain de ce qu'il était pour Dieu, de ce que Dieu était pour lui. Et quand Dieu a dit ça à Abraham, c'est parce qu'il avait vu la foi d'Abraham. Et c'est pour ça que Dieu est venu parler à Abraham. Il dit, voici, j'ai fait une alliance avec toi. De la circoncision comme étant le signe de l'alliance. Dans la chair d'Abraham. Avant qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur leur avait déjà donné la promesse. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, ils savaient que peu importe ce qui peut se passer, demain ou après-demain, mais si le Seigneur revenait, nous ici, nous partirons avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que il nous a fait remercier. Amen. Je parle bien d'enlèvement, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc si la promesse t'a été faite toi, alors c'est Dieu qui doit maintenant prendre soin pour confirmer qu'avec toi, amen. Oui, j'ai une alliance. Avec toi, j'ai fait la promesse. De la même manière qu'il a fait avec Abraham, de la même manière qu'il a fait avec les disciples, les apôtres, effectivement, c'est cela aussi, parce que Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Ce sera aussi de la même manière qu'il va faire aussi avec toi. Je termine. Regardez très bien. Dans Jean chapitre 17, il a prié. Vous vous souvenez quand même? Amen. Alors, si souvent, on va le lire rapidement. Regardez bien. Il a prié. Quand il a prié avec Jean 17, il a dit une chose, il dit. Il dit. Et sanctifie-le par ta vérité, ta parole de la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Sadduciens que, je l'ai dit une autre fois, que je loue Dieu de ce que vous avez reçu la parole de Dieu, non pas comme la parole d'un homme, mais la parole de Dieu comme elle est véritablement, et qui agit en vous qui croyez. Vous comprenez, non? Amen.
parce qu'ils l'ont reçu aussi avec autant d'empressement et la parole de Dieu agissait effectivement en eux. Et comme il disait aussi effectivement, l'action qui s'est passée lorsque la parole leur avait été donnée, de montrer la manière qu'ils recevaient la parole, qu'ils étaient des élus de Dieu. Vous vous souvenez encore? Nous l'avons lu avec vous. Donc, Dieu, par sa grâce et par sa préscience, sachant effectivement ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu devais être, il doit témoigner aux hommes d'abord. Hein? Parce qu'il faut quand même que les témoignages soient rendus aussi aux hommes. Et réellement que toi, tu es un fils de Dieu. Amen. Toi, tu es un élu de Dieu. Mm-hmm. Par quel moyen? Lorsque la parole de Dieu t'est présentée. Mm-hmm. Je donne un exemple. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Mm-hmm. Vous savez que la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie d'abord. Mm-hmm. Mais béni soit celui qui se confie dans l'éternel. Mm-hmm. Et comme les Saintes Écritures nous le montrent effectivement, ce que les apôtres ont prêché, c'est ce que nous sommes censés pouvoir prêcher. Et la Bible dit que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, fraction de pain, la communion fraternelle, et dans le prière. Vous entendez cela? Donc, chaque véritable homme qui est appelé de Dieu, est-ce que vous me suivez? Chaque véritable homme qui est appelé de Dieu et qui doit tenir les Écritures pour pouvoir prêcher cela au peuple de Dieu, il doit avoir aussi la même expérience que les apôtres ont eue. Et non seulement cela, il doit toujours être conduit par l'Esprit de Dieu pour ramener le peuple de Dieu sur le même fondement que les apôtres avaient eu depuis le début. Parce que la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun qui doit se tenir devant la chair et prêcher la parole de Dieu, il doit absolument, et ça sans l'ombre d'un doute, avoir la parole de Dieu. Quand je dis avoir la parole de Dieu, c'est qu'il doit avoir reçu effectivement la révélation de la parole que lui, il est censé pouvoir prêcher. Parce que Paul l'a reçu par révélation, Pierre l'a reçu par révélation, Jean l'a reçu par révélation, Thomas l'a reçu par révélation. Donc tous ceux qui sont des apôtres, effectivement, l'ont reçu par la révélation. Et celui qui doit aussi venir aussi dans la même continuité, effectivement, doit le recevoir aussi par la révélation. Pour dire quoi? Que nous sommes donc ramenés sur le même fondement. Quel est donc ce fondement véritable, effectivement? Vous avez dit, sous cette révélation, je bâtirai mon église. N'est-ce pas vrai? L'église est bâtie sur la révélation. Donc, c'est lui qui doit travailler pour le corps de Christ. Doit aussi avoir la parole par la révélation. Comme l'apôtre Paul a eu la révélation de la parole de Dieu, et il doit prêcher la parole par la révélation, comme Pierre, Jean et les autres ont prêché aussi. C'est à ce moment-là, mon frère et ma soeur, que nous qui sommes le peuple de Dieu, qui entendons la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que nous voyons que nos cœurs, nos âmes et nos esprits convergent à un seul but. S'il vous plaît, d'abord, convergent à un seul but. C'est lequel est ce but? Avez-vous remarqué, frère, dès le départ, quand Pierre a prêché la parole de Dieu, ce qui s'est produit dans le cœur de Jean, c'est quoi? C'est l'amour d'abord. Amen. Amen. Dieu est amour. Quand Dieu entre dans le cœur de quelqu'un, il n'y a plus effectivement de division. Amen. Une parole qui vient, qui vous apporte des questionnements et des divisions, ne peut pas être de Dieu. Amen. On le suit. La parole qui vient de Dieu vous ramène sur le fondement où tous ceux qui croient, tous ceux qui croient et qui ont entendu la même parole, effectivement, ont la même disposition dans le cœur. Amen. À savoir, Jésus. Fils, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, quand on revient dans cette même disposition, alors on prend la place que les apôtres avaient. Parce que les apôtres, pendant qu'ils avaient les mêmes vêtements, ils ne connaissaient pas un autre Dieu. Ils n'avaient pas un autre prédicateur. Le seul qu'ils avaient, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Et quand ils ont présenté au peuple, effectivement, ils n'ont pas présenté un autre prédicateur. Non, monsieur. Alléluia.
Les apôtres ont présenté au peuple Jésus-Christ. Amen. Qui était le prédicateur, avait enseigné. Amen. Parce que Jésus-Christ est revenu par le Saint-Esprit. Amen. Oui, monsieur. Amen. Donc le peuple et les apôtres avaient le même prédicateur. Amen. 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 C'est juste. Oui, monsieur. Oui, madame. Pourquoi nous avons des divisions? Parce qu'on nous apporte des prédicateurs étrangers. On nous apporte des doctrines étrangères. Pourquoi? On nous apporte des dons, des hommes qui ont apporté des choses étrangères. C'est ça. Je termine. Si nous avions simplement un seul prédicateur, il n'y aurait pas de division parmi nous. Parce que dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas de division. Non, monsieur. Si tu es dans l'église du Dieu vivant, tu ne peux pas être membre d'une église qui est divisée. Pour quelle raison? Parce que dans l'église du Dieu vivant, il n'y a qu'un seul prédicateur. Amen. Il n'y a qu'un seul enseignant. Amen. Il n'y a qu'un seul apôtre. Alléluia. Il n'y a qu'un seul docteur. Amen. Il n'y a qu'un seul pasteur. Amen. Il n'y a qu'un seul évangéliste. Amen. Oui, monsieur. Amen. Il n'y en a pas trois. Non. Il n'y en a pas quatre. Non. Il n'y en a pas cinq. Amen. Un seul. Amen. Parce que, frère et sœur, Jésus-Christ lui-même est prophète. Amen. Il est apôtre. Amen. Il est docteur. Alléluia. Il est pasteur. Il est évangéliste. Amen. Alors maintenant, si tu choisis toi, il a fait un don, c'est lui qui vient avec Amen. Les dons d'apôtre. Il vient avec le docteur, le premier pasteur. Donc, quand le pasteur parle, quand l'apôtre parle, c'est la même parole. Amen. Il n'y a pas de division. Non. Pourquoi? Parce que l'auteur de la parole est dans chacun. Amen. Alors, frère, notre absolu ne pourra pas être autre chose. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous revenons au fondement. Je sais, frère, que vous me détestez parce que j'ai dit que les brochures sont votre absolu. Je dirais toujours, frère, aucune brochure, aucune brochure, peu importe sa taille, ne pourra jamais être une absolue dans le peuple de Dieu. Non. Dans mes yeux. Non. L'absolu de Dieu, c'est ceci. Amen. L'absolu de la parole. La Bible est l'absolu. Parole de Dieu pour le croyant véritable. Amen. Amen. Tout ce qui est dans une brochure, prenez-le, ramenez ici à la lumière la parole de Dieu. Amen. J'aime cet homme. Amen. Et c'est vrai. C'est sûr et certain. Votre cœur et votre âme doit être basé sur ce que Dieu dit. Amen. Dans sa parole. Amen. Dans ce, ceci est l'absolu parole de Dieu. Amen. Les apôtres ont rapporté, ont dit précisément ce que le maître a dit. Amen. Mais si toi tu sors d'ici pour aller ailleurs, tu ne peux pas être disciple. Amen. C'est impossible. Amen. Pour être disciple, il faut être là. Amen. Parce que là est la parole de Dieu, il a fait la promesse à disciple. Donc je reviens ici, je reconnais que je suis un disciple. Amen. C'est pourquoi quand on dit, quand on entend que le baptême est dans son nom, on ne discute pas. Amen. On revient sur ce fondement. Parce que c'est là que Dieu a voulu te placer. Donc chacun de nous, mon frère, ne dites pas, oh, j'ai été séduit par un frère, qui j'ai été séduit par ceci. Non, monsieur, tu te fais séduire toi-même. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te parle, toi, pour que tu comprennes que. Il n'y a pas un autre prédicateur sur qui, toi, tu dois réellement baser ta foi. Amen. Les autres, moi, je passerai un jour. Amen. Moïse est parti. Paul est parti. Jean est parti. Mais il y en a un qui ne partira pas. Amen. Jusqu'au jour où toi et moi, nous serons enlevés, Amen. Il sera toujours là. Amen. C'est la seule bouche autorisée. Amen. Qui est qui? Jésus le Christ. Alléluia. Quand Jésus le Christ a pris en ses mains, alors que tout homme puisse entendre. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Quand c'est lui qui parle, tout va en harmonie. Amen. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Amen. Quand les choses deviennent floues, Jésus-Christ n'est pas là. Parce qu'en lui, il n'y a pas de flou. Amen. En lui, il y a toujours la lumière. Il y a toujours des choses qui sont claires, précises. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Lève-nous.